de protection de la santé familiale en est la cause. L'ONG Jipaigo fête 40 années d'existence et de lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus. L'occasion était belle pour lancer plaidoyers et engagements aux côtés des autorités et de bon nombre d'acteurs nationaux et internationaux. Pendant ce temps, les experts de l'ingénieur conseil font leur possible pour que soit aussi fêtée la réussite d'un projet d'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou, un projet sous-régional qui devrait permettre pour la partie burkinabé d'accroître l'offre énergétique de la nationale de l'électricité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. La montée des couleurs au Premier ministère se fait quotidiennement et ce jour, elle a une fois de plus été respectée. Le premier responsable du département a salué le respect de la mesure adoptée en Conseil des ministres par les ministères et institutions de l'État et Béon Luc-Adolphe Thiaro d'également rappeler l'importance de cet acte signe de respect de la patrie. Bouma Ernest Nebié. Montée des couleurs nationales au premier ministère ce jeudi 6 février 2014 à 7h. Tout le personnel est mobilisé. C'est un acte patriotique et je pense que tous les Burkinabés doivent vraiment mettre l'accent sur les problèmes de la nation. C'est un acte qui dure environ 3 minutes et qui est plein de sens, selon le premier responsable du gouvernement. La montée des couleurs, c'est une affirmation de tous les citoyens burkinabés, quelle que soit leur appartenance politique, idéologique et religieuse, de croire à sa nation, de respecter sa nation et de se sentir solidaire. Nous le pratiquons déjà au premier ministère depuis plusieurs années, parce que la pratique de la montée des couleurs, moi je suis venu la trouver. Et aujourd'hui je suis heureux de constater que nous avons pu au niveau du gouvernement généraliser donc cette montée des couleurs pour, comme je l'ai dit, réaffirmer notre citoyenneté, réaffirmer notre patriotisme et réaffirmer également notre solidarité en tant que Burkinabé derrière le drapeau qui est notre symbole suprême. Le chef du gouvernement Luc-Adolphe Thiaro se dit déjà satisfait de cette montée des couleurs qui est respectée dans les ministères après les mesures gouvernementales. Et son souhait est qu'après les institutions de l'État, cet acte patriotique puisse être suivi dans les écoles publiques et privées. 40 années de lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus ne peuvent passer inaperçus. À Ouagadougou, l'ONG américaine Jipaigo marque l'événement, même si son intervention au Burkina Faso ne date que de 1996. Au cours d'une soirée à laquelle a pris part la première dame du Burkina, l'ONG a réaffirmé son accompagnement du ministère de la Santé en matière de protection des mères et de leurs familles. Marguerite Douaniou. Un gâteau d'anniversaire avec 40 bougies pour Jipaigo. L'ONG américaine qui œuvre au Burkina Faso en partenariat avec le ministère de la Santé intervient depuis 1996 dans la planification familiale, la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida, le cancer du col de l'utérus, mais surtout pour le renforcement des capacités du personnel de la santé. L'axe principal de Jipaigo, c'est des innovations de qualité pour sauver la vie des femmes et des enfants. C'est notre principe de base. Donc tout ce qui peut conduit à améliorer le sort et qui a moindre coût pour que les gens aient accès facilement. Les interventions de Jipaigo au Burkina Faso ont pour but de contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire dans le domaine de la santé de la famille surtout. Et qui dit santé de la famille, dit santé de la mère et de l'enfant. Et en associant la première dame à la célébration de cet anniversaire, l'ONG américaine dit avoir trouvé l'avocate qu'il faut pour ses actions. Car dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, Chantal Compaoré sait de quoi elle parle. La mortalité maternelle et infantile peut être évitée par une prise en charge adéquate de la femme et du nouveau-né. Depuis 1996, Jipaigo soutient le ministère de la Santé et les sociétés médicales dans la mise en œuvre des programmes s'inscrivant
dans cet objectif. En 18 ans d'intervention au Burkina Faso, du chemin a été parcouru, mais des efforts restent encore à fournir dans bien de domaines. Jipaygo is going to continue to support the Ministry of Health's goals. Jipaygo va continuer de soutenir le ministère de la Santé au Burkina Faso. Un domaine dans lequel nous allons intervenir, c'est dans la lutte contre la malaria. L'autre priorité à l'avenir, c'est la santé de la reproduction. Nous allons intervenir dans la prise en charge des grossesses non désirées des filles. Je souhaitais véritablement que nous nous orientons vers la promotion de la santé et vers l'investissement en faveur donc, de la communication de proximité avec les populations pour éviter qu'elles tombent malades parce qu'elles auront eu un ensemble d'informations sur l'hygiène, sur l'assainissement, sur... la nutrition. Jipaygo, qui est affilié à l'université Johns Hopkins, a voulu exprimer sa reconnaissance à ses collaborateurs sur le terrain, d'où des certificats décernés à une dizaine d'entre eux. 36 milliards de francs CFA pour accroître considérablement l'offre d'énergie de la Sonabel. L'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou entame une phase décisive de son processus. Les experts du projet sont en ce moment même mobilisés pour la réalisation de cette interconnexion, du reste placée parmi les projets prioritaires de la CEDAO en matière d'énergie. Le point avec Ernest Kambiré. L'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou entre dans sa phase effective de réalisation. Le projet classé parmi les projets prioritaires du WAP, le West African Power Pool, organe de la CEDAO, chargé de développer un système électrique pour la sous-région, permettra à terme à la Sonabel, la nationale de l'électricité, d'accroître son offre d'énergie. Il s'agit de réaliser un poste de connexion à Bolgatenga au Ghana. Ensuite, établir une ligne électrique depuis Bolgatenga jusqu'à Ouagadougou, à Zaktouli précisément. Et la longueur de cette ligne est de 210 km. Cette ligne est prévue pour approvisionner le Burkina Faso à hauteur de 800 gigawattheures chaque année sous une puissance de 100 MW. Et lorsque vous savez que la demande de pointe en électricité au Burkina Faso est de l'ordre de 200 MW, si nous pouvions obtenir effectivement ces 100 MW, je pense que ce serait un grand apport pour la fourniture d'électricité. L'interconnexion électrique à réaliser a été confiée à la Sonabel pour le Burkina et à Gridco pour le Ghana. Et les experts de l'ingénieur conseil sont ici mobilisés pour apporter une assistance technique à la réalisation du projet. Déjà, la partie ghanéenne rassure. The government is encouraging. Le Ghana a un programme de développement très important pour sa production d'électricité avec une promotion du privé, il y a des producteurs privés. Et le Ghana a aussi du gaz pour faire la production d'électricité à partir du gaz. Et le Ghana souhaite être un exportateur net à court terme. Et il estime que fournir le Burkina Faso, ce sera un engagement total du côté du Ghana. Il s'agira pour l'ingénieur conseil de superviser la réalisation des travaux, de procéder à la mise en service des ouvrages, de finaliser les dossiers d'appel et d'aider à l'organisation de ces appels d'offres. Plus de 36 milliards de francs CFA sont mobilisés pour financer le projet et les attentes sont grandes. Beaucoup de choses vont changer parce que nous aurons donc une importation d'énergie du Ghana à hauteur de 100 MW en tout temps, c'est beaucoup. 100 MW, ça représente à peu près la moitié de nos besoins actuellement. Donc ça nous permettra d'importer l'énergie à un coût qui est raisonnable, qui est vraiment intéressant pour la Sonabel, ça c'est d'une part. La ligne permettra aussi d'électrifier, comme on l'a dit, une vingtaine de localités le long du chemin. La société AECOM Canada est chargé des services d'ingénierie de cet important projet sous-régional qui devrait voir la réalisation des travaux commencés au dernier trimestre de 2014 pour une mise en service prévue pour le deuxième trimestre de 2016 si les délais sont respectés. Rencontre d'échange entre le ministère en charge de la promotion de la femme et les acteurs de la chaîne de financement des activités économiques des femmes. En ligne de mire, l'organisation de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain et le Forum des femmes. Le programme des activités a pour ce faire été présenté aux partenaires financiers pour adhésion et partant leur soutien. Eleonore Ouedraogo.
Le Forum national des femmes et la Journée internationale de la femme se tiennent cette année sous le thème « Problématique du financement des activités économiques des femmes au Burkina Faso ». Un thème qui découle des réflexions menées pour l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes en mars 2013, où les difficultés d'accès aux institutions bancaires ressortent comme une cause de la faible représentativité des femmes dans la création d'entreprises formelles. Avec cette rencontre d'échange entre le ministère de la promotion de la femme et du genre et les institutions bancaires, Nestorine Sangaré veut interpeller ces dernières sur leur rôle d'accompagnement. Beaucoup de femmes, soit parce qu'elles sont analphabètes ou parce qu'elles n'ont pas l'information, souvent elles peuvent avoir de très bons projets, mais elles sont là, elles ne savent pas où aller pour pouvoir avoir les financements. Donc cette activité, c'est un premier donc, contact que nous établissons afin d'avoir donc cet accompagnement nécessaire pour l'organisation réussie de ces deux événements. Les échanges devront également permettre au ministère de présenter les modalités pratiques de l'organisation du forum et de la journée de la femme en vue de requérir l'implication des acteurs financiers pour la réussite de ces activités. Nous avons voulu rencontrer les acteurs de la chaîne de financement pour leur porter l'information et voir dans quelle mesure ils pourront nous accompagner pour l'organisation de cet important événement et notamment leur disponibilité pour venir s'entretenir avec les femmes, pour venir nous aider à faire toutes les activités, notamment en mettant en place des stands d'information pendant la célébration et nouer vraiment les contacts. Le Forum national des femmes et la Journée internationale de la femme se dérouleront dans la première semaine du mois de mars à Banfora, dans la région des Cascades. Le point de presse du gouvernement de ce jeudi 6 septembre a porté sur un nombre de points, dont celui relatif aux mesures sociales du gouvernement. Le point a été fait par le ministre en charge du commerce, qui revient également sur la participation du Burkina au forum Investir en Côte d'Ivoire. Cette mission économique avait pour objet de permettre à nos opérateurs économiques de nouer des relations d'affaires avec leurs homologues ivoiriens, mais aussi de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler à faire venir des investisseurs ivoiriens sur le sol burkinabé. Donc nous pouvons dire que cette mission commerciale a été très fructueuse parce que nos opérateurs économiques nous ont rassurés d'avoir pu vraiment faire de bons contacts et nous avons pu aussi voir au niveau de l'espace d'exposition beaucoup de Burkinabés qui tenaient des stands, notamment Coris, Banque étaient là. Nous avons aussi vu certains dans l'agroalimentaire, l'agro-industrie qui étaient venus exposer leurs produits. Je peux dire que ça a été assez fructueux. Sur près de 12 368 commerçants contrôlés, nous avons constaté que près de 11 412 ne sont pas en règle. Donc il faut que dans la stratégie, nous puissions procéder beaucoup plus à une sensibilisation, à ce que les opérateurs économiques, les commerçants s'approprient les textes du commerce et puissent être dans les dispositions pour respecter ces différents textes que nous édictons aujourd'hui. Sinon, les produits saisis ont fait l'objet en tout cas de destruction, d'autres ont fait l'objet d'amendes et de pénalités et nous allons poursuivre cette opération. Arthur Kafando a aussi fait le bilan 2013 de son département. Les perspectives sont nombreuses et certaines questions en font partie. Par exemple, la gestion des parkings et la mise en place d'abattoirs périphériques. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat s'est aussi exprimé sur des questions d'actualité. C'est l'aménagement des zones industrielles qui était d'abord le premier objectif qu'on nous avait assigné parce que beaucoup veulent réaliser leurs affaires, mais malheureusement, il n'y a pas d'espace. Vous savez que l'ancienne zone industrielle de Ouagadougou et de Bobo, ces anciennes zones sont saturées. Donc il y a eu un programme d'extension à Ouaga et à ce niveau, nous avons déjà pu installer les bornes parcellaires, nous avons pu aménager une trame d'accueil où nous allons déplacer les populations et nous allons procéder à l'attribution des parcelles aux investisseurs qui le désirent. À Bobo, nous n'avons pas ce problème. La zone, l'extension a été, vraiment le parcellage a été fait. Nous sommes en train d'aménager les voiries et les différents caniveaux, les routes, pour pouvoir permettre aux opérateurs économiques qui vont s'installer de pouvoir être vraiment dans les conditions optimales de production dans cette zone industrielle. Dorénavant, la fixation du prix des parkings va relever du domaine réglementaire. Ça ne sera pas une libre fixation du prix. Donc le dossier sera renvoyé à la commune de Ouagadougou
Parce que le ministère juge après analyse que ce sont des activités communales et il ne serait pas indiqué pour l'État central de réglementer ces activités. Ça va nous amener chaque fois à réglementer à Ouaga, à Bobo, à Tankodogo, à Fada. Donc non, nous laissons cette prérogative aux différents maires qui lèvent l'impôt local et qui ont les cahiers des charges. Enfin, je voudrais comme information aussi donner la réalisation d'abattoirs périphériques. Cette étude a été bouclée. Le dossier sera introduit en Conseil des ministres pour voir au moins 3 à 4 abattoirs ou même plus périphériques à mettre pour éviter l'abattage clandestin. Avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les questions posées par les journalistes ont évoqué l'actualité du moment, la grève des agents de la fonction publique, la médiation burkinabé au Mali a aussi été évoquée. La grève n'est pas un problème en soi, mais c'est l'acte posé au niveau de ce qui est prévu dans une république. Naturellement, les différents acteurs de développement du pays, les acteurs sociaux et l'état de droit a prévu un certain nombre d'actions possibles et légales. Et donc, c'est sous cet angle que nous on met la grève. Mais vous savez que de manière globale aussi, une grève est utilisée par les syndicats pour exprimer quelque chose. Et je l'ai dit il y a 2 semaines ici, le gouvernement est dans une très bonne prédisposition d'écoute. Et les négociations n'ont jamais été rompues à notre niveau. Nous ne sommes pas en rivalité avec quelqu'un par rapport à la médiation au Mali, mais vraiment pas du tout. On est très à l'aise. Mais vous savez, ce qui se passe au Mali nous concerne et en premier chef par rapport aux Algériens. Nous ne sommes pas du tout en rivalité. L'Algérie et le Mali sont beaucoup plus éloignés que le Burkina Faso et le Mali. Et nous, nous avons intérêt à surveiller la situation au Mali. Le fait qu'on nous ait confié la médiation à un moment donné, et c'est une marque de confiance, mais aussi c'est la reconnaissance d'une marque de fabrique du président du Faso et qui s'est exprimé sur les 20-25 dernières années et sur l'ensemble du continent. Alors, toutes ces interventions nous ont été rapportées par Abdoul Rasmane Zongo. La suite de ce journal à présent, les filles mères et les orphelins de Boulmiougou ont des raisons de se réjouir. Une journée de partage dans la localité leur a permis, en plus de passer un bon moment, de recevoir des vêtements et des vivres. Un sourire et de l'espoir aux bénéficiaires, c'est le pari réussi par la jeune chambre internationale Ouaga Elite. Le compte-rendu, justement, avec Abdoul Rasmane Zongo. Les pensionnés du centre SOS Filles-Mères du quartier Pissi de Ouagadougou ont bénéficié d'une journée de réconfort, de partage et de solidarité. Orphelins, enfants, filles, mères en difficulté ont eu droit à des vivres, notamment du riz, de la friperie et un repas communautaire. On donne un seul repas par jour et ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Et quand on reçoit ce genre de dons, c'est pour dire que les filles auront à manger encore pour au moins 1 ou 2 mois. Donc c'est une très grande joie pour nous aujourd'hui de les recevoir. Cette initiative de célébrer Noël en différé est de la jeune chambre internationale Ouaga Elite. Ce matin, nous avons apporté des vivres, de la friperie et un repas en commun que nous allons partager ensemble tous avec ces enfants pour les apporter la joie de vivre comme tous les enfants que nous croisons dans la rue. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre du mandat 2014 de la jeune chambre internationale Ouaga Elite. En mission depuis janvier 2013, le contingent militaire dénommé Badenya 1 au Mali est rentré au Bercail ce 3 février 2014. De retour d'une mission bien accomplie et l'appréciation est de la hiérarchie burkinabé, ces hommes qui ont servi le pays voisin ont vu leurs efforts récompensés. Des médailles commémoratives avec agrafe République du Mali leur ont été décernées au mess des officiers Yolande Lompo. Mission de maintien de la paix au Mali convenablement accomplie selon la hiérarchie militaire par le bataillon Badenya 1, dont la dernière vague a regagné la mère patrie il y a de cela quelques jours.
En pareille circonstance, en plus des félicitations et du pot de bienvenue organisé à l'intention de ces pionniers, des médailles commémoratives avec agrafe République du Mali leur ont été décernées. C'est une belle expérience. Qui pouvait penser un jour qu'on allait se retrouver dans le désert tombouxien? Mais nous y avons été et nous sommes revenus. C'est une belle expérience aux côtés des autres forces africaines et à côté de nos frères maliens. Des 850 soldats envoyés sur le théâtre des opérations, deux femmes en faisaient partie. Composées d'officiers, de militaires de rang, de gendarmes, d'aviateurs, de sapeurs et de personnel civil, les membres de la dite opération ont tenu à observer une minute de silence en mémoire de leurs deux frères d'armes décédés accidentellement au cours de la mission. Badéa 1 vient d'être relevé par Badéa 2, la deuxième équipe qui va aller pour les missions de paix au Mali. Donc il est normal et utile que nous puissions leur témoigner toute notre reconnaissance et puis surtout leur exprimer toute notre satisfaction pour la mission remplie. Ils regagnent leur garnison respective et devront mettre l'expérience professionnelle acquise sur le théâtre du Mali au service des forces armées nationales. Respect et admiration, c'est ce que réclame pour la gendarmerie Tanwi Zengue, un lieutenant-colonel à la retraite. Dans un roman autobiographique, l'auteur parle de sa vie de famille, du corps dans lequel il a exercé des années durant et vient déconstruire quelques préjugés sur la gendarmerie. À la cérémonie de dédicace du roman Le Sacre d'un Djambar, Fousse Nikindo a pris part et voici son reportage. Le Sacre d'un Djambar. Un récit de vie, une chronique d'un guerrier de la vie. Tanwi Zengue y dépeint sa propre vie, partagée entre le village et la ville. La vie du gendarme à la retraite y est décrite dans une linéarité sans pour autant céder à la simplicité. J'ai voulu effectivement écrire ce roman tout simplement pour montrer aux jeunes, surtout, qu'ils soient dans l'armée ou bien dans le civil, qu'on ne peut pas réussir sans effort. L'effort, la probité et puis la conscience professionnelle, là où vous vous trouvez, quel que soit le métier que vous avez, il faut cette conscience et le courage, cette probité pour pouvoir se faire prévaloir. À la cérémonie des dédicaces, la hiérarchie militaire était présente, mais aussi des amis et d'anciens camarades de gendarmerie. À la retraite depuis 2008, ce lieutenant-colonel de gendarmerie est auteur de deux autres ouvrages. Et pour Le Sacre d'un Djambar, l'éditeur avoue être séduit par le fait que le manuscrit de Tanwi se défendait seul. Il m'a été recommandé par un autre collègue. Et quand il est venu, il a tellement plaidé pour la sortie de son livre que bon, j'ai été, à un moment donné, pris de sympathie pour lui. Et puis, et comme ça couronnait un peu toute sa carrière, bon, vraiment j'ai trouvé que c'était bon que je m'implique pour que l'œuvre paraisse. Avec Le Sacre d'un Djambar, Tanwi Zengue apporte davantage un démenti sur le rôle des soldats dans la promotion intellectuelle et culturelle. Comme l'a d'ailleurs rappelé le préfacier de l'ouvrage, fort heureusement, Le Sacre d'un Djambar vient comme un cinglant démenti de ses idées préconçues sur un corps d'armée qui mérite tout respect et admiration, ne serait-ce que pour les énormes services qu'il rend. Et c'est tout dire. Un événement d'un tout autre ordre a réuni les habitants de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, la commémoration de la naissance du prophète Mahomet ou Mouloud. Les fidèles de la localité ont pris part à la veillée de prière pendant laquelle ils ont revisité l'histoire de la vie du prophète. Issa Cyril Yelemou et Bouma Ernest Nebié. Mouloud, jour commémoratif de la naissance du prophète de l'islam. Pour l'occasion, des fidèles musulmans de l'arrondissement 3 se retrouvent pour vivre l'événement différé. Chants religieux, lecture du Coran et prières, une parfaite orchestration pour transmettre aux plus jeunes l'histoire du prophète. Aujourd'hui, nous nous souvenons de la naissance du prophète Mohammed. Prière et salut sur lui. Cela témoigne de l'amour que nous lui portons. Durant tout ce mois, nous pouvons commémorer la naissance du prophète et revivre son histoire. Au cours de la veillée, l'on a prié pour la paix au Burkina et dans le monde entier. À Dieu,
Nous avons demandé la paix pour le Burkina Faso et l'entente entre les différentes autorités afin que cette paix y reste à jamais. Cette nuit témoigne d'une importance capitale dans la vie religieuse du fidèle, en ce sens qu'elle est signe de raffermissement de la foi islamique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.